أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. بعد أن درس العلوم السياسية أحيا تيري ميسان جمعية دولية للدفاع عن الحريات الشخصية، ثم اتجه إلى مجال صحافة التحقيقات. أوصله مساره هذا إلى أن يصبح خبيرا في مجال حقوق الإنسان لدى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ورئيس تحرير مجلة مانتونا الشهرية، وهو يترأس حاليا شبكة فولتير. كتب الخديعة الكبرى، فكانت الضجة عالمية عام 2002، وخلال أشهر أربعة أمضاها في ليبيا واكب فيها الأحداث الأخيرة ومعركة طرابلس، سبر أغوار وفك الغاز. يسرنا أن نرحب بالصحفي الفرنسي المعروف تيري ميسان، مرحبا بك في سوريا. بونجور مسيو. أمضيت أربع أشهر في ليبيا، كيف كانت الحال هناك؟ Moi, je suis arrivé là-bas en tant que journaliste. Et je voulais rendre compte de ce qui se passait de la manière la plus objective possible, alors que je suis français et que mon pays agressait la Libye. Et je me suis trouvé face à des journalistes occidentaux avec lesquels j'étais mêlé, mais qui, eux, faisaient un autre travail, puisque pour des grandes chaînes de télévision, pour BBC, pour CNN, ils essayaient, eux, de justifier la guerre, pas de comprendre ce qui se passait sur place. Donc, d'abord, ce que j'ai vu, c'est que il n'y avait pas les événements dont on nous avait parlé, il n'y avait pas une révolution contre Kadhafi, c'était pas du tout ça qui se passait. Moi, j'ai toujours été très critique vis-à-vis de la politique internationale de Kadhafi, mais c'était difficile au début parce que, à cause de ça, on ne me faisait pas confiance, on me considérait comme les autres. Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que mes articles, mes interventions sur des chaînes en Amérique latine ou en Russie, tout ça, c'était objectif, c'était sincère. Et donc, progressivement, ils m'ont ouvert les portes et ils m'ont fait connaître tous leurs secrets, les négociations qu'ils étaient en train de faire, etc. Donc, j'ai vraiment pu avoir une connaissance, je dirais, complète de l'intérieur de ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? En fait, la guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Ça n'a aucun rapport avec les événements récents, le printemps arabe, tout ça. Non. Juste après les attentats du 11 septembre, 4 jours après, il y a eu une réunion à Camp David où l'administration Bush a décidé d'attaquer successivement 7 pays. Alors ça a commencé par l'Afghanistan, l'Irak, on a déjà vu, puis ça continue, il y avait une liste, et on disait après, on va attaquer en même temps la Libye et la Syrie, et à la fin de la liste, on terminera par l'Iran. Voilà. Ce sont des éléments qui sont connus. À l'époque, ils ont été rendus publics par le général Wesley Clark, qui était l'ancien commandeur de l'OTAN, et qui était opposé à ce programme. Donc, pendant des années, les Libyens ont essayé de négocier, de trouver un accord avec les États-Unis en croyant qu'ils pouvaient empêcher cette guerre. Mais c'était complètement faux parce que, bien sûr, les États-Unis avaient des choses à reprocher à Kadhafi et voulaient changer certaines choses en Libye, mais ce qu'ils voulaient surtout, et ça n'a aucun rapport avec Kadhafi, ils voulaient rentrer en Libye, installer une base militaire et pouvoir se déployer dans toute l'Afrique. Donc tous les efforts de négociation de Kadhafi ont échoué. Et au lieu de négocier comme ça, il aurait dû se préparer plus intensivement à la guerre. Souvenez-vous que en 2003, juste après la chute de Bagdad, la tension était très forte contre la Libye. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'ouvrir un peu son pays, de discuter avec les États-Unis, d'accepter leurs conditions économiques, de régler le problème de Lockerbie, de différents contentieux qu'il y avait entre les deux pays. Mais à la même date, les États-Unis votaient
le Syrian Accountability Act, c'est-à-dire que vraiment ils préparaient déjà depuis ce moment l'attaque contre les deux pays en même temps. La Syrie a eu une autre attitude, elle a cherché des alliances internationales, elle s'est protégée, alors que la Libye pensait pouvoir se débrouiller tout seul par quelques arrangements. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, au bout d'un moment, ont demandé à la France et à la Grande-Bretagne de faire cette guerre à leur place. Parce que Obama ne pouvait pas, vis-à-vis de l'opinion publique aux États-Unis, avec la crise économique, justifier une nouvelle guerre. Donc, ça serait les Français et les Britanniques qu'on mettrait devant. يعني خلال الأشهر الأربعة التي مكثت فيها في ليبيا، هل حدثنا عن أبرز النقاط التي سجلتها هناك؟